Est-ce vrai que tu prends 10 000 euros pour aller dans un restaurant? Alors, j'ai reçu plein de messages. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, quoique non, aujourd'hui c'est pas un vlog en fait, je vais faire une FAQ, une foire aux questions, ça se fait beaucoup sur YouTube, moi c'est vrai que j'en fais très rarement, parce que, bah, je sais pas si c'est très intéressant, mais vous êtes plein à me demander, donc aujourd'hui, voilà, petit break, je reste en mode confiné à la maison, alors que j'ai quand même, pendant ce dernier confinement, eu la possibilité d'aller dans les cuisines des restaurateurs et essayer de faire en sorte de faire des vidéos plutôt sympas. D'ailleurs, merci à ceux qui m'ont fait des retours, à ceux qui ont fait leur pain kebab maison, comme nous l'a montré la star du kebab, à ceux qui ont fait les pâtes carbonara, les vrais de vrais, comme nous a montré Denim Bro Easy, le houmous aussi avec le chef Alan Jam. On a plein de chefs qui ont participé à mes vidéos pendant ce dernier confinement, ça fait super plaisir. Et puis ça fait plaisir aussi d'envoyer de la force aux restaurateurs qui galèrent plus que jamais en ce moment, on est vraiment avec vous. Tiens, avant de passer à la foire aux questions, je vous rappelle ou je vous annonce, si vous n'étiez pas au courant, que ce vendredi de 20h à 22h, on va se retrouver pour une émission numérique, émission digitale qui sera diffusée en direct, donc sur un vrai plateau avec des invités et tout ça. Ce sera sur ma chaîne YouTube, ce sera sur la Freebox, ce sera sur le site de France Télévisions. Émission Téléthon Challenge. Cette année, je fais partie des ambassadeurs du Téléthon Challenge qui arrive pour la première fois sur Internet. Et on va du coup se retrouver pour une émission qui sera destinée bien sûr à récolter des dons pour la recherche. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant en faire dans le lien que je vous mets en description si vous voulez, et puis on va faire surtout un divertissement pour vous donner envie de faire des dons avec des chercheurs, avec des cuisiniers, avec des sportifs. On va faire plein de challenges et faire en sorte de faire une émission sympa pendant 2 heures en direct. Ce sera un peu une première pour moi sur cette chaîne. C'est de 20h à 22h, Téléthon Challenge, on se retrouve ce vendredi 4 décembre, soyez là. On répond à vos questions. Alors, je vous ai demandé de m'en laisser plein sur Instagram. Alors, comment tu arrives à gérer travail sur YouTube et la radio? C'est faisable, ça fait des bonnes journées, mais bon, c'est que du kiff, hein, donc bah voilà, il faut juste réussir à s'organiser un petit peu. La radio, c'est tous les jours de 16h à 20h avec Elodie, la Casa Latina. Là encore, si vous voulez nous écouter, je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas, on est là pour passer de bonnes fins de journée ensemble. Et puis sinon, bah, les tournages, c'est soit le midi, soit le soir. Bon, en ce moment, c'est plutôt le midi, rapport au confinement. Et puis bah, les montages, c'est entre les deux, quand j'ai du temps. Tout est question d'organisation, mais voilà, c'est du travail, mais du travail super agréable. Et j'ai pas grand mérite, il y en a qui font des métiers beaucoup plus compliqués et beaucoup plus éprouvants que ce que je fais. À quand le retour de J'irai manger chez mes abonnés? Oui, c'est vrai, Florian, chez vous, c'est comme ça que s'appelle cette petite série, j'aime bien aller chez vous, les abonnés, pour que vous me montriez vos talents culinaires, vos spécialités. Bah là, forcément, c'est pas très Covid de faire ça, mais j'espère reprendre très très vite. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un petit mail, florianr94@gmail.com. Est-ce que tu as déjà été malade pendant une vidéo? Malade, ça veut dire genre... pas bien. jamais, alors j'ai déjà été malade dans des restaurants, mais en vrai, depuis que je fais des vidéos, jamais dans des restaurants dans lesquels j'ai fait des vidéos. Ça m'est arrivé des snacks qui sont mal passés, genre dans ma jeunesse et tout ça, genre une petite intoxication alimentaire, mais bizarrement, depuis que je fais des vidéos, ça m'est jamais arrivé. D'ailleurs, j'ai vu une question passer en me disant, est-ce que tu le dirais si t'avais eu une intoxication alimentaire? Oui, oui, je le dirais. Est-ce que j'ai déjà vomi pendant une vidéo? En fait, oui, mais je l'ai pas montré parce que bah, ça se fait pas. C'est quand j'avais fait, en juin 2018, la traversée de la Manche pour aller manger un fish and chips en Angleterre. On était parti sur un voilier, on avait traversé la Manche, et à l'aller, les éléments étaient vraiment contre nous. On avait vraiment galéré, on avait mis 6 heures au lieu de 3-4 heures pour arriver jusqu'en Angleterre. Et là, franchement, j'étais pas bien. Et même ceux qui étaient, certaines personnes qui étaient avec moi sur le bateau, qui pourtant ont le pied marin et ont l'habitude, n'étaient pas bien non plus. Et là, bah, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Le capitaine là, te dit « tu vomis par-dessus bord ». Et donc, il t'agrippe pour pas que tu tombes. Mais genre, quand t'as envie de vomir, t'as besoin d'être dans ton intimité. Et donc, ça te bloque le fait que le mec soit là. Et donc, voilà, faut le faire quand même. En plus, t'as peur de tâcher le bateau. Bref, c'était... Voilà. C'est ce jour-là, ouais. Mais la vidéo était géniale. Après, je me suis bien remis et on a mangé un super fish and chips. Allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. On met le lien dans un coin. Combien de temps prend le montage de tes vidéos? Ça dépend quel type de vidéo. Il y en a qui peuvent mettre 2-3 heures à monter, d'autres en 1 heure c'est fait. Voilà, après ça reste du vlog, il n'y a pas d'effets spéciaux, mais il y a quand même des musiques et tout, et ça prend plus de temps qu'on ne le pense. C'est assez chronophage à faire. D'où apportes-tu cette bonne humeur à chaque fois? Alors, voilà, c'est pas compliqué, je fais un truc que je kiffe, c'est normal d'être de bonne humeur, je vais pas tirer la tronche non plus. Hein. Es-tu apte à vivre uniquement de YouTube et sans Latina aujourd'hui? Oui, 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 je continue les deux parce que je kiffe les deux et je n'arrive pas à choisir. Souvent, on me demande, est-ce que tu pourrais, qu'est-ce que tu choisirais? Pourquoi t'arrêtes pas la radio? La radio, c'est, j'adore. C'est en direct tous les jours pendant 4 heures.
on passe du bon son, on s'amuse. Donc voilà, j'ai pas envie d'arrêter la radio dans l'immédiat. C'est pour ça que je continue depuis le début de YouTube. Et puis bah, YouTube, je kiffe aussi, donc je ne peux pas choisir entre les deux. Les deux sont complètement différents. Mais je pourrais vivre que de YouTube, en effet. Est-ce qu'on t'a déjà proposé une émission télé de street food? Ouais, mais c'est jamais allé jusqu'au bout. De toute façon, moi, j'ai jamais eu de chance avec la télé. C'est pour ça aussi que je me suis lancé sur YouTube. C'est que c'est jamais allé jusqu'au bout. Il y a une production, une boîte de production qui m'avait contacté l'an dernier alors que j'avais rien demandé, qui m'avait bien, bien agité en me proposant un super concept d'émission et tout. Et au final, ils m'ont plus donné de nouvelles alors que moi je n'avais rien demandé de base. Mais c'est ça le milieu de la télé, hein, c'est un peu chaud. Pourquoi tu n'es pas à l'aise quand il faut critiquer? C'est pas que je suis pas à l'aise quand il faut critiquer. De base, ma chaîne YouTube, elle repose sur une recherche de bons plans. Donc je suis pas là pour aller démonter un restaurant. Je vais mener une petite enquête avant, soit c'est des abonnés qui m'ont suggéré d'aller dans un restaurant, soit je l'ai trouvé par moi-même, soit on m'en a parlé, une connaissance. Bref, en général, c'est un truc qui est censé être bien. Alors, hormis la brigade, bien sûr, où la brigade, on y va vraiment à l'improviste, et là, pour le coup, il y a un petit peu plus de réserve, un petit peu plus de critique que dans les autres vidéos. Le reste, c'est censé être bien de base. Alors après, je peux mettre des petites réserves, mais en général, c'est clair que c'est des restos plutôt sympas, et puis il faut voir aussi au niveau du rapport qualité-prix. Bien sûr, un truc qui va être pas très haut niveau, mais qu'on te vend 4€, tu peux pas être aussi exigeant qu'un plat qu'on te vend 15 ou 20€, donc faut aussi mettre ça en relation. C'est pas toujours forcément de la haute gastronomie, mais si on te le vend 4€, y a pas de vol. Après, il en faut pour toutes les bourses. Est-ce que tu voyages réellement seul? J'ai jamais dit que je voyageais seul, hein. C'est pas parce qu'on me voit parfois seul en voyage que je suis forcément seul. C'est ma vidéo, c'est moi qui filme. Après, je montre pas toute ma vie et compagnie, ni forcément tous les gens que je connais. Il y a des amis, certains de la bande que vous connaissez, que vous voyez en vidéo, et puis il y a plein d'autres gens que vous voyez pas. Vous ne savez pas tout. Est-ce que quand tu testes des restos, tu payes ou tu es invité? Ah, il y a beaucoup de questions autour de l'argent que j'ai vu passer. Écoute, ça dépend. Si c'est un resto où je décide d'aller parce que j'en ai entendu parler, j'y vais avec des amis, franchement, on arrive, le mec ne me connaît pas, moi je filme de mon côté, il me trouve un peu bizarre en train de filmer, mais bon, en même temps, de nos jours, tout le monde prend en photo son assiette, donc voilà, et je paye. Et parfois, effectivement, il y a des restaurateurs qui me disent « Est-ce que tu pourrais venir ?» et tout ça, et la plupart du temps, ils m'invitent. Mais c'est pas parce que on m'invite que je vais forcément y aller, et c'est pas parce qu'on ne m'invite pas que je ne vais pas y aller, voilà. Comment as-tu rencontré Ali et Isma et d'où est venue l'idée de la brigade? Ah, alors, la brigade des fast-foods, c'est un dérivé d'un autre concept que j'avais fait l'année d'avant qui s'appelait « À la recherche du meilleur snack de France » où du coup, je partais avec des abonnés toutes les semaines. Et en fait, là, c'est les snacks qui s'inscrivaient pour concourir au meilleur snack de France. Ils disaient « Moi, je pense avoir la possibilité d'être le meilleur snack de France ». On avait fait 3 saisons avec ça et à la fin de la saison, à chaque fois, il y en a un qui gagnait, on leur mettait une petite coupe. Et après, je me suis dit « Ce serait marrant de changer un petit peu et de faire la brigade des fast-foods où là, c'est pas forcément les snacks qui s'inscrivent, mais on peut aller n'importe où, n'importe quand et on débarque en mode à l'improviste. Le resto ne sait pas forcément qui on est, en tout cas il ne sait vraiment pas quand est-ce qu'on va débarquer, et on arrive comme ça à l'improviste et on déguste, mais je voulais faire un truc dans la joie et la bonne humeur. Je voulais faire un peu un top chef, mais des snacks. Et pour ça, il me fallait des gars qui soient marrants, qui soient sympas, et qui connaissent le monde du snacking. Et Ali et Isma, je les avais rencontrés quand j'étais allé faire des vidéos, chacun dans leur snack. Isma, c'était au Delims, son snack à Sartrouville, qui avait ouvert aussi à Épinay. Hey, c'est toi la star de Snapchat. Lui, c'est la star de Snapchat. Ouais, je suis une star, je suis connu. Souvent, on me demande des photos dans les rues, mais t'as vu, laisse tomber. C'est grâce à lui que je suis là, parce qu'en fait, je vous suis depuis quelques mois. Ouais, Delims Burger vrai, sur Snapchat. Ça. Moi, ça fait quelques années que je te suis. C'est vrai. C'est vrai. Ah bah, ça fait plaisir. Et qui parle de nourriture, nous, on suit. Et donc, j'étais allé à l'époque et j'avais été accueilli, mais c'est une vidéo qui est presque à 1 million de vues, là. Je vous remets le lien aussi. J'avais été accueilli comme jamais dans un snack. Et donc, lui, franchement, en plus, je suivais sur Snapchat le truc du Delims et je le trouvais trop marrant. Et quand j'ai eu l'idée de la brigade, je me suis fait lui déjà, c'est sûr. Et un autre gars sympa et marrant que j'avais rencontré, c'était Ali. Lui, à l'époque, il bossait dans une crêperie qui s'appelait La Galante. Et on était allé faire un meet-up dans sa crêperie à l'époque. Et lui encore, je l'avais trouvé trop bonne vibe. Et la pâte, en fait, comment ça se passe? La pâte, la machine est là. D'accord. La farine est là, on a différentes pâtes, on a soit des pâtes sarrasin, soit des pâtes froment. Donc la farine est différente pour le coup, et les recettes sont différentes. Donc pour tous les abonnés qui te regardent, sachez que la pâte est carrément faite ici. Et puis ça là, qui filme et qui apparaît aussi à la caméra dans la brigade des fast-food, lui il m'avait contacté comme ça pour me dire « voilà, je regarde tes vidéos, si t'as besoin de quelqu'un pour faire du montage ou pour filmer, je suis là, machin ». Et je l'avais rencontré, le feeling était bien passé. Mais alors eux trois, ils ne se connaissaient pas. Et donc la première fois, le premier tournage, c'était la première fois où tout le monde se voyait. On avait fait le teaser de la brigade des fast-food. Salut les gars, merci beaucoup d'être venus si vite.
Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as voulu nous voir si vite? Les gars, ça fait quelques temps que je vous suis, que je vous ai repéré. On a déjà fait des vidéos ensemble, je sais que vous êtes des bons mangeurs. Je sais que vous y connaissez en snacking, que vous êtes des bons ambianceurs. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Oui, monsieur Florian, mais besoin de nous, pourquoi? Bah, à partir de la rentrée, je vais créer la brigade des fast-food Florian en air. Histoire de débarquer dans les snacks à l'improviste, sans prévenir, pour vérifier ce qu'ils font et tester de la manière la plus objective possible. Et je vous veux dans ma team, les gars. Ça va être gratuit. Et donc, ce jour-là, c'est la première fois que Ali et Isma se voyaient et le feeling est passé direct et ça fait trop plaisir. Maintenant, ils se connaissent, ils s'envoient des messages, ils se voient en dehors, même quand je suis pas là. Bref, voilà. C'est le délire et c'est comme ça qu'est née la brigade des fast-food que j'ai hâte de retrouver d'ailleurs très très prochainement, là, dès que ça se déconfine. Ça t'arrive d'aller au resto sans vlogger? Ouais, alors ça m'arrive plus aussi souvent, mais ça m'arrive. Genre les restos qui sont vers chez moi où je vais juste pour le plaisir ou alors voilà. Ouais, ça m'arrive quand même, ouais. Mais les restos de découverte, c'est clair que normalement, bah, je vlogue. Est-ce que tu fais payer les restos dans lesquels tu vas pour faire des vidéos? Non. Je vais pas faire payer un restaurant quand même, je suis pas du tout dans cette approche-là. Et d'ailleurs, il y a une autre question aussi. Est-ce vrai que tu prends 10 000 euros pour aller dans un restaurant? Alors, j'ai reçu plein de messages, parce que ces derniers temps, il y a un Instagrammeur d'ailleurs, qui a balancé que je demandais 10 000 euros au restaurant. Quel restaurant aurait 10 000 euros à donner à qui que ce soit pour que le mec aille, vienne, quoi. C'est un truc de malade. Donc non, je ne fais pas payer les restaurants. Les revenus sur YouTube, pour être très clair, ils viennent pour l'essentiel de la publicité, c'est-à-dire les pubs que vous avez avant ou pendant la vidéo. Donc ça, c'est de l'argent, bah, l'argent qui vient de YouTube, hein, c'est des annonceurs, c'est comme à la télévision. Donc c'est de l'argent qui n'est pris à personne. De temps en temps, il y a des placements de produits. Moi, franchement, vous voyez, je le fais très rarement, parce que de toute façon, dès que je le fais, vous le voyez, ça apparaît, cette vidéo contient une communication commerciale. Ou alors, je dis, cette vidéo est sponsorisée par-ci, par-ça. Franchement, si j'en ai fait peut-être 5 dans l'année, c'est le grand max. C'est vraiment très, très rare. Non, je ne fais pas payer les restaurants. Allez me chercher des restaurants. Et pourtant, souvent, il y a des restaurateurs qui m'envoient des messages. Ils me font « Combien tu prends ?» ou alors « Quelles sont tes conditions pour venir dans le restaurant ?» Et je dis non, mais il n'y a pas de conditions, les amis. Je viens si j'ai le feeling, si j'ai envie de tester le restaurant, si ça a l'air bon, je regarde les photos, je regarde si on me l'a conseillé, je regarde un petit peu l'originalité du concept. Et voilà, je viens si j'en ai envie. Et si je trouve que ça peut surtout faire une bonne vidéo. Il n'y a pas de je fais payer. Ça se fait peut-être, je sais pas, par-ci, par-là. Moi, en tout cas, c'est pas du tout la façon dont je procède. Et je suis trop content quand un restaurant chez qui j'ai fait une vidéo, quand un restaurateur me dit, bah, le lendemain, il y avait la queue, c'est un truc de fou, merci. Et voilà, je demande rien. Lui, il m'a permis de faire une belle vidéo qui vous a donné faim. Et après, s'il y a des gens qui ont envie d'aller dans son resto, et bah, c'est tout à fait normal et ça me fait super plaisir. Donc voilà, vous allez être déçus. Mais non, je ne fais pas payer les restaurants. Voilà, je suis désolé. En tout cas, merci pour toutes vos questions. Ça va durer 3 heures si je réponds à trop de questions, mais on se reverra très prochainement. On se retrouve en direct de 20h à 22h ce vendredi pour le Téléthon Challenge. J'espère vraiment que vous serez de la partie et que ça vous plaira. Et puis voilà, et ceux aussi qui veulent continuer de commander mes chocolats, n'hésitez pas. Le lien est dans la description là pour Noël. Noël approche. Vous avez peut-être une petite faim, vous avez envie de commander les chocolats ou de vous faire offrir les chocolats de la collab que j'ai faite avec Tofino, chocolat blanc hibiscus. Il y en a déjà plusieurs centaines qui les ont reçus, il y en a déjà 4 qui ont trouvé le ticket d'or, ça veut dire 4 personnes qui vont venir, qui vont être invitées dès qu'on pourra à un dîner VIP, donc ça va être trop cool. Le lien est dans la description, si vous voulez tester, si vous voulez acheter, si vous voulez commander ou si vous voulez donner le lien au Père Noël en le mettant sur votre liste. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et pour un vrai vlog cette fois-ci. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. A plus, ciao.